I was converted to Islam. I was Muslim for 10 years. I happened to meet some of the biggest, terrorists or jihadists in the world. I then lost my faith in 2006. I contacted the Danish intelligence. I worked for the Danish as a spy for the Danish government, for the American and British. But I was a double agent for almost 6 years. I would never have thought in my wildest fantasy or in my wildest imaginations that I will become a double agent, not only for the Danish intelligence, but for the CIA and the MI6 and MI5. It's mind-blowing. So my task or my job as a double agent was to infiltrate Al-Qaeda and Al-Shabaab in Somalia and also Islamic movement within Europe. I collected information, I passed it on to the Danish intelligence and the two other countries I worked for. I helped analyzing for 6 years. We played the highest part in some of the highest missions in the war on terrorism. The reason why I decided to write a book is because I felt it was a necessity to protect myself against the intelligence, against the CIA. I was tipped off in 2012, in May 2012, that I was going to be assassinated on my last mission. So for that very reason, I felt the biggest protection for me was to go public. I have to live with the threat from the Islamic terrorist for the rest of my life. However, I think it will help to improve the work for future agents because they will have more rights. As an agent, as a double agent, you are disposable. You do not work officially with the government. You don't have a contract, so they don't have any liability for you or responsibilities for you if you get shot or injured or imprisoned or they can get rid of you and nobody will know that you work for the intelligence. So the time when I feared most for my life was in January 2012, doing a mission where I visit Nasr al-Wahishi in Yemen. And the place that I stayed in had, it was locked. I couldn't go out. And the people I knew they already went to the front line with my bag. Within my bag, there was a USB stick with the recordings of the CIA. And where you can hear me arguing with the CIA about the killing of Anwar al-Awlaki. And had they just listened to that USB stick or made a security check on it, I would have been dead in the most worst possible way you can imagine. And not only that, during my fear or my thoughts of being killed by Al-Qaeda, the house I lived in, next to it had two airstrikes. And I thought, that's it, my life is over. And that was the worst moment in my life. From a scale from 1 to 10, about being concerned about my life or the danger, the threat that is against my life, I stopped to worry about it because if I keep on thinking about it, it was going to ruin my day, my life. And I don't want the terrorists to win, to influence my life like this. So I live my life day by day. I do as much as normal things as many other people do. I do know the threat is there. Al-Qaeda and ISIS have made a fatwa against me, but life goes on. J'ai un journaliste qui spécialise sur l'Al-Qaïda, les groupes djihadistes, l'État islamique. Alors, qu'on a entendu de l'histoire de Morton Stone, on a eu des reportages dans les journaux danois, Jyllands-Posten. Alors moi et un collègue, Tim Lister à CNN, ont vu ces articles et pour nous c'était une histoire vraiment incroyable, une histoire très très intéressante. Quelqu'un qui était vraiment au cœur d'Al-Qaïda, des groupes djihadistes, qui avait beaucoup d'informations sur les personnages d'Al-Qaïda, sur les choses liées au terrorisme. Alors pour nous, c'était vraiment une histoire qu'on voulait savoir plus.
Alors, j'ai contacté de façon Facebook. Il avait une page Facebook. Alors, on a envoyé un message. Et après quelques semaines, je l'y ai rencontré au Royaume-Uni, quelque part secret. Et on a parlé et on a eu l'idée de faire un livre sur son histoire. Comme journaliste, on doit toujours commencer avec beaucoup de doutes, bien sûr. Mais il avait beaucoup d'évidence qui corroborait son histoire, des enregistrements, des réunions avec des services de renseignement, des visas, des paiements, des emails, même avec des terroristes, des emails encryptés, des messages de Facebook. Il a ouvert tout ça pour nous, vraiment des gigabytes d'informations électroniques. Et pour moi, qu'est-ce que c'était très unique sur cette histoire, qu'il avait beaucoup de preuves, des documents qui corroboraient son histoire. C'était très, très important comme journaliste d'avoir ça. Il avait même des enregistrements avec le CIA, avec les agents danois qui prouvaient des aspects de son histoire très importants. Comme journaliste, on doit toujours commencer avec beaucoup de doutes, mais après voir tout ça, c'est clair qu'il travaillait pour les services de renseignement occidentaux. Le livre, c'est vraiment c'est l'histoire avec tout le couleur dedans, toutes ses expériences, ses sentiments, et voilà. Alors c'était beaucoup de travail. C'était pour nous, on a eu des semaines avec lui, beaucoup d'heures d'enregistrement. Pour avoir vraiment l'histoire, beaucoup de recherches sur le champ Al-Qaïda et tout ça. Et voilà, on a eu à la fin, c'est une histoire absolument fascinante. Comme journaliste, comme expert moi-même en Al-Qaïda, j'ai appris beaucoup en lui parlant, parce que c'était quelqu'un qui était au cœur du groupe, c'était quelqu'un qui connaissait les leaders importants d'Al-Qaïda en Yémen. C'était quelqu'un qui connaissait les opératifs très importants avec Al-Shabaab aussi. C'était quelqu'un avec beaucoup de pédigré au monde djihadiste. Il connaissait beaucoup des gens très importants dans Al-Qaïda, pas seulement Anwar al-Awlaki, mais des gens aussi très importants différents. Mais Al-Awlaki, c'était quand même sa mission la plus importante. Al-Awlaki, c'était son ami. C'était quelqu'un américain yéménite qui avait beaucoup de charisme. Et après la mort de Bin Laden, Anwar al-Awlaki, c'était peut-être le personnage le plus important dans toute l'Al-Qaïda globalement. Pour les Français, après cette menace affreuse, contre Charlie Hebdo et contre l'hypercaché à Paris en janvier. Je crois que pour les Français, c'est quand même un livre important pour avoir une connaissance de ces groupes, de ces radicaux, une connaissance en particulier du groupe ACPA qui a réclamé l'attaque. C'était Anwar al-Awlaki qu'on croit qu'a joué un rôle clé pour recruter les frères et pour lancer l'opération. Avant qu'Awlaki est mort, on croit qu'il a rencontré un ou deux des frères Kouachi. Et alors vraiment, les attaques à Paris, peut-être c'est quelque chose qui était lancé avant sa mort. Quand ils sortaient du bâtiment Charlie Hebdo, ils ont pris un véhicule et ils ont dit à la personne dans le véhicule, cette attaque, c'est pour avenger la mort d'Anwar al-Awlaki. Alors en fait, c'était pour avenger l'opération de Morton. Alors vraiment, c'est un livre qui explique le personnage d'Awlaki. Mais finalement, pour Morton, sa mission clé, c'était d'éliminer Anwar al-Awlaki, de lui localiser pour le CIA. Il a joué un rôle très clé dans cette mission. On explique dans le livre comment ça a tout passé. C'est quelqu'un qui était vraiment dedans ces groupes, au cœur d'Al-Qaïda.
mais maintenant, il y a un prix qu'ils payent.